Aujourd'hui, nous fait le récit de la triple tentation de Jésus par le démon. Avec la force de l'Esprit qu'il a reçu en plénitude à son baptême, Jésus affronte victorieusement les assauts du diable. Frères et sœurs bien-aimés, au cours de cette célébration, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs afin que nous ayons faim de sa parole qui purifie et qui donne vie. À présent, mettons-nous debout et chantons avec la chorale. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Premier dimanche de carême, dimanche de la tentation de Jésus au désert. Et la liturgie de ce dimanche nous invite à nous engraciner davantage dans la parole de Dieu pour lutter contre nos mauvais penchants, pour lutter contre nos désirs démesurés de posséder, d'être, nos désirs d'avoir. Puisse cette parole de Dieu continuer à nous inspirer dans toutes nos actions, dans toutes nos démarches, dans tous nos projets. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En présentant son offrande, Moïse rappelle au peuple d'Israël que c'est Dieu qui l'a sauvé des mains des Égyptiens et qui lui a fait don de la terre promise. Lecture tirée du livre de Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10. Moïse disait au peuple d'Israël, « Lorsque tu présenteras les premiers de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » Parole du Seigneur. Thank you.
La foi en Jésus ressuscité est la voie du salut pour tous les hommes. Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Parole du Seigneur. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain, que l'homme doit vivre. » Le démon l'amena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux.
Toi, donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Aksemio, depuis mercredi, comme communauté de foi qui en marche, comme église synodale, nous t'es entré avec un pile espoir, Nathan Carême, non? Côté nous gain pour nous préparer pendant 40 jours pour fêter, n'a qu'un content fête Pâques là, fête délivrance nous. La victoire, Jésus-Christ, sur la mort. La victoire, Jésus-Christ, sur le mal. Mais quel content ça, pas gain sens li. Li pas total, si pas gain, yon effort personnel qui fait pour nous changer, Jean nap vive, qui pas correspond toujours avec ça, bon Dieu, aptan de nous. Et fort, l'Église l'a mandé nous, on a tant privilégié ça. C'est pour nous capables de faire plus jeûne avec la prière qui s'efforce nous dans le moment de tentation. Nous. Mais comme ça tout, pour nous capables d'ouvrir jeûne à cœur nous, la souffrance et la misère, frère nous. Et finalement, pour nous arriver à partager avec nous. Dans un message qu'un pape François a adressé nous, lui inviter nous comme chrétiens, non seulement pour nous, ouais, misère, frère Axenoyo, mais pour nous toucher, pour nous prendre sous nous et pour nous travailler tout bon, pour nous soulager. Yo. Lui te définit misère, ça, comme une pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans espérance. Et c'est vrai, si solidarité ça, t'as existé vrai. Si gagnons vrai sens de partage et de justice, nous t'aboué bagaille yon l'autre gens. C'est donc toujours yon interpellation pour nous travail, pour réduire et pourquoi pas pour faire disparaître misère ça sous toute forme li, matérielle, morale, spirituelle. Le plus gros message nous joint à la liturgie, premier dimanche carême, ça, c'est que toute la vie nous comme monde, toute la vie nous comme chrétiens, c'est un combat. Une bataille, une lutte contre l'esprit du mal, une lutte pour le bien et pour la vie. Une formule, en pile dans nous conservé de plus en plus. Le monde, yo, qui Jean, yo, yé. Il n'a pas dit, moi, papi mal, moi, bien. Mais qui j'en nous dit, n'a pas lutté. Qui j'en nous dit, n'a pas lutté. Et même dernière année, ça, yo, dans le commencement, année, nous presque pas souhaité encore bonne année. Nous dit, bon combat.
bon combat, la vie. Côté pour vivre chaque jour, nous besoin en pile sacrifice. N'a bat soleil, n'a prend humiliation dans mes familles, dans mes amis. Et de plus en plus, nous qu'on sacrifier propre la vie, nous. N'a résigner nous pour nous passer en bas balle bandit. Quitte ses matissants, quitte ses croix de bouquet ou bien l'autre côté. Mais comme ça, tout, nous cherchons la vie meilleure par tout moyen qui existait. Nous prenons tout chemin qui est possible. Nous qu'on fait face avec un pile tentation. Et dans la plupart des cas, tentation est venue dans un moment de faiblesse. Elle est venue dans un moment de force nous arriver dans le bout de lit. Il s'attend toujours à tenter nous sur ça nous avons plus d'importance. Mais sur ça qui manque nous, ça nous a besoin. Ça nous a cherché peut-être pour satisfaire simplement plaisir nous. Deux fois plaisir égoïste nous. Notre désir à Jésus t'est tenté dans trois niveaux qui commun à nous toutes. Dans le niveau ça qu'on a besoin. Là, au grand goût, au besoin de manger, sur le pouvoir. Mais tout ça, ouais, yo, ma bao, c'est pour moi, yo, yé. Ça qui est en rapport avec bon Dieu. Mettez bon Dieu dans l'épreuve. Doutez de présence, li. Doutez de action, li, dans la vie, nous. Yo, tout qui est à la base. Rapport nous avec bon Dieu, soif nous gagne pour diriger, soif nous gagne pour posséder. Nous besoin pour cela, si nous voulons vraiment résister, si nous voulons combattre, discipliner, contrôler désir nous. Appétit nous, n'a quitté parole bon Dieu a transformer nous de l'intérieur. Mettez bon Dieu au centre de la vie, nous. Et si deux premiers éléments sont respectés, on a discipliné tête nous, contrôler désir nous, yo. Nous mettons bon Dieu au centre de la vie, nous. Alors, nous-mêmes, nous ne pouvons pas considérer nous comme sommet le monde. Nous ne pouvons pas avoir volonté, puissance, sa domination, ça. Nous, ça qui a passé avec la Russie. La Russie et l'Ukraine ont puissance de domination pour montrer que nous sommes forts, nous sommes capables d'aller en guerre contre l'autre. Puissance de domination, volonté de dominer. Les bons dieux, c'est où? C'est fort, livre les nous forts. Et conduit, livre les conduit nous, petit, pour nous vivre avec la grâce. Mais là, c'est Satan qui tente où? C'est plus capable et loin où? Sous bon chemin, hein? Chemin la vie. Chemin bon Dieu voulait pour nous. Et là, ça, il a proposé une série de belles bagailles. Un chemin de réussite sans souffrance. La promesse où ça qu'a fait où vient grand plus facilement par tous les moyens. Ça où remet gagné. Ça où voulait y est. C'est ça Satan a proposé où. Mais pinga, nous tomber. Na piège li. Et même Jean, moi te qu'on dit nous, sous causer persécution, nous yo, tentation, nous yo, capable de tourner tout des occasions de croissance dans la vie, nous, comme chrétiens. Mais nous avons condition, à condition que nous attentifs à parole, bon Dieu. À condition, nous attentifs à ça, l'abdi, nous. À condition que nous vivions vraiment de paroles. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais nous sommes capables de vivre de paroles, bon Dieu.
mais pour nous vivre li. Et nous te voyons dans l'évangile. À trois reprises, Jésus a entré dans la parole, bon Dieu, pour lui repousser ça. Pour lui repousser ça. C'est dans la Bible. Ça voulait dire nous-mêmes tout. Nous capables de servir avec puissance ça. Mais à condition que nous lisons la Bible. À condition que nous connaissons la parole, bon Dieu. Pour ne pas seulement arrêter. Avec ça, nous conjoignons à la messe. Chaque dimanche ou bien chaque jour. Mais à condition pour nous apprendre à lire et pour nous méditer parole, bon Dieu. Et sous tentation, sur l'avoir, tentation pour nous posséder, livre Deutéronome, matin, libre à nos deux belles éclairages, qui capable freiner élan ça nous gagner, soif ça nous gagner pour nous posséder, accumuler. Pour le fait simplement d'accumuler, c'est reconnaître que tout ça nous y est, tout ça nous gagne, c'est œuvre bon Dieu. Et en retour, pour nous exprimer reconnaissance, nous. Considérer gestes offrandes, nous, comme des gestes de reconnaissance pour tout ça nous recevoir, na main, bon Dieu. Et puis, pas jamblier. Ça, bon Dieu, fait pour nous le devoir de mémoire. C'est ça, nous, n'après un mot sur la Bible. Côté Moïse, fait peuple la songer. Que là où tu es en esclavage en Égypte, c'est bon Dieu, lui-même, qui t'a sauvé, dans le pharaon, qui t'a libéré, pas jamais oublier ça. Et en retour, montrer-le que vous reconnaissant pour libération, ça. Pour délivrance, ça, lui fait au joindre. Dans toute religion, il y a des gestes d'offrande. Et nous pourrons le faire tarer comme ça. Mais en dans gestes d'offrande, Moïse demandait au peuple d'Israël, il a tout exprimé, la foi, lui, côté lui rappeler, toutes œuvres bon Dieu étaient accomplies dans la ville comme peuple. Gestes d'offrande, nous tourner un geste de reconnaissance. Envers bon Dieu, nous reconnaître que ça nous gagne, c'est dans mêl yo sorti. Et geste reconnaissance ça, aller ensemble avec ça, mon relais, devoir de mémoire comme peuple Israël. Quand bien même il était tenté pour servir Dieu Baal, na Canaan, nous pas de jamblier ça, bon Dieu. Te fait pour nous. Nous ne devons pas oublier ça, bon Dieu, fait pour nous. C'est là, bon Dieu a mesuré tout degré fidélité nous gagnons envers lui. Geste offrande nous pendant la messe, voulait exprimer tout propre reconnaissance nous pour ça, bon Dieu, y est pour nous. Et pour ça, l'a continué fait. Pour nous, lui-même qui source tout ça qui est bon, lui-même qui source tout bien. Et nous joignons ça très bien exprimé dans la nouvelle formule préparation offrande. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain ou bien le vin que nous te présentons. Nous avons reçu de ta bonté. Et ça, ou banoul, et c'est ça, nous tourner baoul. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Oui, frère Maxime, yo, c'est bon Dieu qui à l'origine, tout ça nous y est, tout ça nous gagnait. C'est lui seul qui méritait toute adoration, toute gloire. Jean Soutem, carême nous, dimanche ça, dis-nous, seul grand maître là, méritait. Pour nous adorer, en continuer, puiser force nos besoins dans l'Eucharistie, la messe. N'apprend racine, nous, puis plus sous parole, bon Dieu, pour nous continuer à lutter, lutter contre désir démesuré, nous, et pour nous bailler, bon Dieu, à service royaume, l'IA, toute place, l'imérité dans la vie, nous. Au nom, Papa,
ak pitit la ak l'esprit saint ya. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Église et ses responsables. Que ce temps de carême ravive en eux la flamme de ton amour afin de conduire leur troupeau vers l'alliance nouvelle. Dieu d'amour, écoute-nous. Nous te prions pour les dirigeants du monde entier, particulièrement ceux d'Haïti, qu'ils trouvent des solutions adéquates capables de soulager leur peuple de la misère et la souffrance. Dieu de pitié, écoute-nous. Seigneur,
prions pour les hommes et les femmes maltraités, réduits à la pauvreté, ceux qui souffrent de maladies ou d'abandon, afin qu'ils soient les grands bénéficiaires de la générosité des autres et que ta présence leur redonne force et courage en ce temps de carême. Dieu de compassion, écoute-nous. Donne-nous, Seigneur. Participer dans la messe là. Tout si la yo cap suivre à travers médias sociaux yo, dans ouverture de carême ça, à tout le monde dans la communauté nous. En nous demandant, bon Dieu, pour aider nous vivre dans force ça, dans bon rapport avec Jésus, pour nous capables de joindre la vie tout neuf. Bon Dieu, grand maître là, promette nous. Bon papa, écoutez-vous nous.
prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui verra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant pendant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos frères et sœurs qui ont recommandé cette messe, sur nos familles respectives, sur nos bienfaiteurs, sur nos frères et sœurs malades, sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. C'est Nadieu Normil, Manushka Lina, sous Blémur Anise, dans l'occasion anniversaire naissance-li, sous André Pinard, dans l'occasion anniversaire naissance-li, sous Maître Georges Labissière, sur nous toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, esprit d'adoration, esprit de partage, esprit de piété. Disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre Église, donne la paix à notre pays Haïti. Donne la paix aux pays qui sont en guerre, donne la paix à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement, maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs et nourri la foi. Fais grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, avant annonce Noyo, on a souhaité un joyeux anniversaire de naissance à Luche, Carline, Aiden, Jean-René, Maurice, Nicole, Marcelin, Olide, Jean-Pierre, Dafka, Edouard Zin, Elisabeth Joseph, Jean-Baptiste, Edouard, Marie, Madeleine, Hector, Miss Pierre Lamise, Tatiana, Janine, Jean Winder, André Pinard et Bleumur Anise. C'est pour bon Dieu, lui-même qui source tout ça qui est bon, lui-même qui fait au cadeau la vie ça, continuer, bénir, et pour lui faire la vie ça, porter en pile fruit, en même temps pour lui tourner en source de témoignage et de gloire pour nous, lui. Lui-même seul qui méritait adoration. Nous sommes célébrés le premier dimanche carême, non? Avec messe, nous avons gagné à 6h, 8h, 10h, et puis tard à 4h, nous avons gagné l'autre messe. Messe en semaine, nous avons, c'est toujours 6h et 7h. Prière, avec prière à Saint-Joseph, avec prière à Saint-Joseph tous les matins, dans la messe. Sortie 10, arrivée 18 mars, avec une neuvaine à Saint-Joseph, nous sommes capables de recommander la messe. Soit sur un numéro paroisse-là, ou bien passer directement dans le bureau à tout pour recommander. Vendredi 11 mars à 4h30 p.m., n'a bien chemin de la croix. Samedi 12 mars, journée de prière et de louange, n'a bien messe à 6h, 8h, midi et à 4h l'après-midi. Dimanche 13 mars, deuxième dimanche, dans carême, n'a bien toujours messe à 6h, 8h, 10h et 4h. Le comité santé de la paroisse célébrera à la messe de 10h son anniversaire de fondation. Nota bene, dimanche 27 mars, journée de récollection pour les jeunes, pour tous les jeunes de la paroisse. Donc, nous demandons pour chaque groupe, vous voyez, liste membre groupe yo, pour journée récollection ça. Et on l'autre annonce qui est important et qui est en rapport avec liturgie, la messe non. La nouvelle tradition du missel romain en français et en créole est en vigueur dans l'église d'Haïti. Voilà. Donc, on a habitué nous avec nouvelle forme, réponse n'a pas, paroisse l'a organisé, et nous avons quelques formules, PA, l'IPADI, même Jean encore. Donc, on a habitué nous avec nouvelle forme, tradition ça. Comité choral. Petit chanteur, a annoncé toutes parents Timoun, chorale petit chanteur, a gagné une réunion qu'a fait dimanche 13 mars après messe 8h. Voilà. Mais toute petite annonce nous gagnons pour dimanche ça. Nous avons disposé nous pour nous capables de recevoir bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Dieu Tout-Puissant, vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Nous rendons grâce à Dieu. C'était